Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce vendredi 13 mai 2016. Et oui, c'est vendredi 13. Espérons que votre journée a bien été malgré tout. Nous sommes présentement là, sur le bord de la plage à Mont-Louis. On peut voir là, la municipalité derrière moi. Donc, voici vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Aujourd'hui, nous avons été chanceux. Il a fait beau. J'espère que vous avez pu en profiter parce que ça sera de courte durée comme vous pourrez le voir. Pour ce soir, cette nuit, mais ça demeure dégagé. Sauf qu'il y a un ennuagement là, qui va commencer en fin de nuit. Le minimum sera de plus 5 et le soleil se couchera à 20 heures pile. Pour samedi, bien, c'est nuageux. La pluie va débuter le matin. Les vents seront de l'est à 20 km/h. On aura un maximum, un timide maximum de 6 et un minimum de 4. Pour dimanche, bien, les averses se poursuivent. On aura un maximum de 10 et un minimum de 4. Bon, on va devoir être un peu patient parce qu'on va être pris dans la pluie jusqu'à mercredi prochain. On aimerait mieux pas vous le dire, mais c'est ça. C'est Environnement Canada qui nous le dit. Alors, au niveau de l'agenda, on vous rappelle que ce soir, du côté de Gros-Morne, c'est Cadet en spectacle. Et oui, une autre édition. Cette année, il y aura trois volets. Le volet concours de cadet, le volet hors concours et un nouveau volet, le volet parents et cadets. L'activité là, débute à 19h et se déroule au Centre sportif de Gros-Morne. Le coût d'entrée est de 2$. Samedi le 14 mai, bien, Steve Hill est de retour à Mont-Louis. Il sera sur la scène de la Pointe-Sec. Un excellent spectacle. Il reste encore là, quelques billets. Les billets sont au coût de 28$ si vous les achetez en pré-vente. Sinon, à 30$ à la porte, vous pouvez aller le voir le site www.lapointesec.com pour vous procurer vos billets. Dimanche matin, à compter de 9h15, le Conseil des Chevaliers de Colomb de Mont-Louis vous invite à une activité qui rendra hommage aux mamans de Mont-Louis et de Lance Pleureuse. L'activité là, va débuter par une messe qui sera suivie là, d'une courte cérémonie en l'honneur des mamans et se terminera par un vin d'honneur offert par la municipalité. Et en terminant, ben, ratez pas notre télé-bingo qui a lieu, comme d'habitude, le lundi à 18h30. Sur ce, ben, on vous souhaite bon vendredi 13 et on se retrouve la semaine prochaine là, pour un autre Météo Express.